Ok, je sais que j'avais dit que j'allais pas vous montrer mes petites bobettes, mais en fait, je vais vous montrer, ok, les sous-vêtements. J'espère qu'on est juste entre filles en ce moment, ok? Voici les sous-vêtements que j'apporte. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci de demander. Bienvenue dans ma salle de bain. Dans moins de 12 heures, guys, je pars pour Cuba. Je suis tellement fucking excitée, ça n'a pas de crise de bon sens. Et on s'apprête à faire ma valise ensemble. Il y a des gens dans mon entourage, ça fait genre plus qu'une semaine, ils sont comme « Pis, t'as-tu fait tes valises? » Puis je suis comme « Non, moi je suis un last minute packer. » J'ai tout le temps fait ça et ça va tout le temps bien, je pense. Je pars à la maison en ayant un feeling que j'ai oublié genre 45 millions de trucs, mais finalement j'oublie jamais rien. Fait que je vais partager mes trucs. Bah, ok, je sais pas si ça va aider quelques-uns d'entre vous, mais en tout cas, ça fonctionne pour moi. Puis je dois dire que je suis vraiment habituée de faire ma valise. Bon, premier truc. Ça fait environ une semaine que j'ai commencé à faire des listes dans mon téléphone. Fait que là, on a comme des catégories. Puis sous chaque catégorie, j'ai comme des main trucs que je veux pas oublier. Les catégories les plus importantes, c'est mes trucs de cheveux puis mes trucs de peau. Parce que genre, que je parte une journée ou que je parte une semaine, c'est la même affaire que j'amène tout le temps. Puis c'est pour ça, des fois, je pars une journée, puis le monde, je dis comme, ouais, t'as donc mis des affaires. Je suis comme, ouais, mais j'ai genre un outfit, mais j'ai comme 45 000 produits parce que j'ai une peau vraiment à problème. Donc, j'ai deux petits sachets ici. Ben, c'est pas des sachets, en tout cas. Première catégorie, mes trucs de cheveux. Puis c'est très simple parce qu'on a comme une petite trolley dans la salle de bain. Ça, c'est les affaires mon chum. Ça, c'était la rangée à sa mère quand il était là. Puis ça, c'est mes affaires. Fait que là, ça, c'est le petit pot cheveux. C'est mon chum qui s'occupe d'amener shampoing revitalisant, que c'est génial, j'ai pas besoin de les amener. J'ai trois affaires à amener. Ma brosse à cheveux, mon fixatif naturel. Non, non, aussi, là, je suis genre de personne qui est comme parano à fond la caisse. Faut tout le temps que j'apporte des produits plein, même si c'est pour une semaine. Littéralement, genre, cette bouteille est comme à la moitié. Ça fait à peu près 2 mois que je l'utilise. Puis là, j'ai peur qu'en une semaine, si il m'en manque, mais là, je l'ai pas trouvé sur Amazon. Fait qu'on va apporter ça, c'est sûr que j'en ai assez. Et le dernier produit, c'est ce produit que j'utilise pour faire friser mes cheveux. Donc là, c'est tout pour les cheveux. By the way, je mets tout ça dans un petit sac comme ça. J'ai vu comment c'est cute! Et là, vu qu'il me reste la place dans mon sac parce que j'ai juste 3 produits, je vais en profiter pour mettre mon rasoir là-dedans et ma machine épilatoire. Fait que ça, c'est bien important. Donc, pour les produits de peau, maintenant, j'y vais en ordre. Genre, j'essaie de penser à ma routine normalement. Puis genre, qu'est-ce que je fais par step pour être sûre que j'oublie rien? Je commence par mon démaquillant. Normalement, j'utilise un gros plat comme ça, mais là, j'étais comme ça, bien trop gros à apporter. Fait que je suis allée acheter une mini version. Je vais apporter la petite bouteille comme ça avec moi. Je pense que ça devrait être assez, j'espère. Puis avec ça, justement, je me démaquille avec des petits tampons démaquillants que j'ai. Ben, en fait, regarde, je vais vous sortir là. J'ai la même chose que pour mes cheveux, mais pour mes produits. Donc, voici ça, c'est quand même vraiment plus plein et pêle-mêle. Oh, j'ai un autre produit de cheveux. Ce petit truc. Ça, c'est le genre de truc ici que genre j'amène en voyage parce que même si, genre, dans la vie de tous les jours, je l'utilise jamais, mais je me dis, tu n'as quoi, j'en aurais besoin. T'en auras pas besoin de tout. Mais bref, je vais l'apporter quand même. C'est comme un espèce de petit hair wax stick. Au cas où, j'ai tout le temps des cheveux fous. En fait, je devrais l'utiliser à chaque jour. J'ai tellement, genre, des petits cheveux fous qui revolent partout. Puis ça, c'est censé aider à les. Je sais pas, à les coller sur ta tête. Je sais pas pourquoi j'ai autant de petits cheveux qui revolent. Ok, on n'a pas le temps de parler de ça. Ok, je l'apporte. Donc, on continue avec cette petite bouteille. Oh, c'est ça. Fait que je disais, petit tampon démaquillage. J'en utilise 3 par jour. Fait que voyons voir si j'en ai assez. On est parti, on va dire 8 jours, là, tous les coups que j'arrive. Bon, whatever. Oh, le 3. Tu sais quoi? Je vais toutes les apporter. Avant de m'être démaquillée avec ce produit-là, normalement, je me lave le visage avec un autre produit. C'est mon petit CeraVe, celui-là, ok? Par contre, j'ai tellement la peau sensible que je n'étais pas allée trouver un savon qui m'allait à mon corps. Fait que j'utilise ça pour tout mon corps. Fait que là, je veux pas amener la grosse patente. Fait que j'ai acheté des petits contenants, je reviens. J'étais allée au Walmart, justement, acheter tous mes trucs de dernière minute. Puis j'étais avec mon père. Parce que mon père, il fallait qu'il fasse des commissions pour son resto. Fait qu'il achetait genre du jus d'orange, ok? On prend 4 paquets de jus d'orange à 1,50. Moi, je ramasse toutes mes chips, mon maquillage, mes crèmes, blablabla. On arrive à la caisse. Ils scannent ses jus, puis là ils scannent mes affaires, puis j'étais comme papa, hein? Parce que c'est des factures différentes. Il dit comment? Non, inquiète-toi pas. J'étais comme papa, hein? C'est des produits de femme, là. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Il est comme inquiète-toi pas. Ça a coûté 175$. Puis lui, il n'avait rien pour 5$ de jus, ça n'a pas de bon sens. Fait que merci papa. Et puis il m'a acheté ces petites bouteilles. Je pense que 2, ça devrait être assez. Fait que je vais juste les transvider. Ouais, c'est propre. Honnêtement, je pense que j'en aurais vraiment assez de 1. Mais là, c'est parce que. Oh, c'est le dilemme, là. Parce que je me dis, si j'en ai pas assez, je vais m'haïr. Parce que littéralement, j'ai la preuve ici que je me demandais. En même temps, genre, ça me tente pas d'en amener 2 si j'en ai utilisé juste un demi, là. Bon, ok, on va live on the edge a little. J'en apporte juste une. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, si jamais vous êtes intéressé de voir tous les produits que j'utilise, je vais mettre le lien à. Je pense que c'était ma routine du soir que je faisais avec vous, là. Et là, bien sûr, pour finir la routine, brosse à dents et pâte à dents. En fait, non, je vais apporter une nouvelle pâte à dents. Parce que ça, on est 2 dessus, puis je veux pas qu'il nous en manque. Sont où nos pâtes à dents? Hostie, en plus, mon chum voulait qu'on en achète d'autres. J'étais comme, inquiète pas, on a 2 autres paquets à la maison. Sont où les 2 autres paquets? Whoopalay! Ok, bon, mais là, peut-être que ça, c'est un upside de faire ses valises avant. Parce que tu peux retourner. Mais là, on est déjà passé, j'ai la pharmacie.
parti 4 fois. Bon, ben écoute, pour une semaine, tu vas en avoir assez, je sais pas. Hein. En tout cas. Fait que là, ça, techniquement, vu que je suis allée en ordre de tout ce que j'ai besoin, ça fait le tour de mes crèmes. T'imagines, là? C'est pas pendant 24 heures, j'ai besoin de tout ça, là. C'est pas des jokes. Ah, puis je vais rajouter mon petit double-sided tape dans un des trucs parce que ça, ça me sauve la vie. En ce moment, j'en porte, genre, sinon, je serais tout le temps tenue, si. Bon, fait que là, je retourne à ma liste. J'avais Hair Face Product Makeup. Ben, mon make-up, c'est simple parce que dans le fond, je traîne tout le temps tout avec moi dans ma sacoche. Fait que j'ai pas besoin, peu importe où est-ce que je m'en vais, je l'ai. Je me maquille presque tout le temps, mais j'ai comme 5 produits. Fait que c'est pas difficile. La seule affaire qu'il faut faire attention, c'est que là, je m'amène des refills. Comme là, mon eyeliner est presque vide, j'ai acheté ça. J'ai acheté un nouveau mascara, j'ai acheté un nouveau crayon à sourcils, puis un nouveau blush. Fait que maintenant, je pense que ça fait quand même beaucoup de trucs. On va aller porter ça tout de suite. Puis en même temps, on va apporter mes 2 pouches à ma valise pour être sûre que je les oublie pas. Là, vu qu'il me reste la place, je me demande si je rentre pas mon miroir. C'est tout le temps pratique là-bas. Tu sais, comme mettons ton chum est en train de gerber dans la toilette, tu vas faire ton maquillage. Not that it's ever happened. De quoi tu parles? Je vais aussi mettre dans cette petite pouch mes petits Advil. Puis on va mettre déodorant et parfum. Ok, donc ça, ça va ici. L'affaire, c'est que c'est même pas fini les produits. Je me rends compte que j'ai encore mes crèmes solaires à apporter. Celle-ci, puis je viens d'aller acheter 2. Ça, c'est la crème solaire que j'utilise dans mon visage. J'en ai acheté 2 au cas où. Parce que normalement, genre, c'est sûr que ça me tosse une semaine 1. Mais là, je me dis, si, mettons, je réapplique plusieurs fois, je suis mieux d'en avoir 2. On va aussi mettre les gommes. Ça n'a aucunement rapport, mais il faut bien qu'on les amène quelque part. Des protèges de souffle. J'apporterai pas la boîte parce que ça va prendre trop de place. Et là, vu que j'ai encore fucking la place, je vais apporter mes pinces. La prochaine catégorie, c'est la nourriture, ok? On s'en va à Cuba, c'est pas réputé pour de la bonne nourriture. Puis en plus, moi, avec toutes mes restrictions alimentaires, on va monter puis je vais vous parler en même temps, ok? Avec toutes mes restrictions alimentaires, je dois être préparée. Donc, je me suis fait une petite liste encore une fois dans mon téléphone, mais là, je vais juste vous présenter ce que j'apporte. La première chose, la plus importante d'après moi, des chips, ok? J'achète ça au Costco, c'est genre des vraiment gros sacs. Et je vais en apporter 1,5 parce que je mange vraiment beaucoup de chips. C'est genre mon dessert de n'importe quel repas normalement. Ensuite, j'amène des cannes de thon, ok? Ça, c'est la première fois que j'apporte ça. Puis j'ai eu une épiphanie quand j'ai pensé à ça. J'étais comme, ok, c'est fucking smart en fait parce que genre si je suis pour mourir de faim, je peux pas mourir de faim avec ça. Puis en même temps, j'ai même pas besoin de le réfrigérer. Oh, fait qu'il faut que j'apporte un nouveau bouteille. Pas un nouveau bouteille, mais un nouveau canne. T'imagines comment j'aurais l'air fine de traîner tout ce poids-là dans ma valise puis d'arriver puis pas capable de les ouvrir. Donc voici, j'apporte aussi 2 paquets de rice cakes parce que ça, c'est le substitut de pain que j'ai. Il y en a 14 par paquet, fait que j'en amène 2. J'amène aussi mes petits paquets de mayonnaise. Je m'en rappelle pas s'il y a de la mayo là-bas, j'ai pas l'impression qu'il y a de la mayonnaise. Puis je les ai volés au resto parce que justement ça non plus, ça a pas besoin d'être réfrigéré, fait que je peux juste les garder dans des paquets comme ça. J'en ai apporté je pense 30 parce que j'en mange vraiment beaucoup de mayo, fait que tout ça pour la semaine, ça devrait être suffisant. J'apporte aussi ma sauce soya parce que je peux manger du riz blanc, fait que c'est bien fun quand je vois du riz blanc dans le buffet, mais ça reste que c'est du fucking riz blanc. Ensuite, comme petit snack sucré, genre des petites barres de protéines. Il y a juste 1 gramme de sucre dedans, puis genre pendant un moment de ma vie, j'en mangeais comme un paquet, genre 5 à 6 par jour. Puis un moment donné, j'ai juste arrêté d'en manger, je sais plus, je pense que j'en avais juste plus, puis ma peau a vraiment clear up. Fait que maintenant, j'en mange presque plus, mais je me dis tout d'un coup là que j'ai vraiment la dent sucrée puis que j'ai besoin de quelque chose, je pense que je vais l'apporter. Puis même chose avec ces petits chocolats que j'achète au Avril, puis j'ai fait les calculs dernière fois tabarnak de comment ça me coûte. Je pense que ça coûte 10$ pour le sac, et je me rends compte qu'il y en a juste 9 par sac. Genre 1$ par petit truc comme ça là, ok? Fait que ridicule, mais en tout cas, je vais les apporter quand même. Ensuite, of course, j'amène mon Mio parce que normalement, moi je ne bois que de la vodka. Puis normalement, j'arrive au duty free puis j'achète des grosses bouteilles de vodka. Puis je les amène avec moi parce qu'il n'y a pas tout le temps de la vodka ou qu'est-ce que je veux boire. Ou des fois, genre dans le dernier voyage qu'on a fait, une fois qu'il n'y a plus d'alcool dans la bouteille, il y en a comme mettons une bouteille de vodka par jour, par bar. Puis après ça, genre quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Fait que là, genre je me levais genre fucking tôt le matin. J'allais genre me prendre des shots, j'essayais de tout boire la vodka du monde avant qu'il y en ait plus. Fait que là, j'achète les miennes tout le temps, puis j'apporte du Mio pour, j'allais dire, diluer. Clairement, ça dilue pas l'alcool, mais pour couvrir le goût. Très plaisant. Et la dernière chose qu'on va apporter, c'est des ice. Ça aussi, j'en buvais tellement avant, puis j'ai comme arrêté d'en boire parce que je me suis rendu compte que c'est l'acide citrique qu'il y a dedans. Genre, ça va pas trop bien pour ma peau. Mais en termes de chaser, genre, quand il le faut, il le faut. Tu comprends? Fait que ça, c'est notre saveur préférée, pamplemousse rose. Fait que je vais en apporter, genre, peut-être juste 4. Je veux vraiment pas être tentée d'en boire trop parce que je veux genre une bouteille. C'est déjà beaucoup trop, mais comme 4, je me dis une demi-bouteille par jour. En tout cas, je vais laisser mon chum gérer ça, là, si on veut plus, et en mettre dans sa valise à lui. Bon, là, petit problème, voici l'état de ma valise après que j'ai mis la nourriture. Oh boy! Mais là, techniquement, il reste encore plein de place, genre, genre, chauffe des trucs. Là, on s'en va faire la catégorie jeu, ok? C'est une catégorie très importante, parce que, un, moi et mon chum, on part tout seul, les deux, fait que c'est une bonne façon de, un, s'occuper, et deux, se faire des amis. Ok, my god, je vais vous montrer le jeu qu'on vient d'acheter. J'ai acheté ça sur Amazon, puis c'est un
inflatable beer pong game. Fait que genre, ça flotte pis tu joues au beer pong dessus, il y a genre des trous. C'est comme un enfant, un truc pour se coucher. Mais à chaque bout, il y a des trous où est-ce que tu mets tes verres pis tu peux jouer au beer pong dans la piscine. C'est tellement malade. En plus, je sais pas si j'ai mentionné, mais c'est un resort juste d'adultes. Donc, pas d'enfants. Ok, donc là, je me suis fait une liste de jeux à apporter. Donc, sur la liste, voici les jeux qu'on a décidé d'apporter. Donc, clairement, le speaker, ça, c'est un must parce que souvent, la musique est genre pas tant ce qu'on veut écouter. Ou si on est juste dans la chambre, on met notre propre musique. Mais tu sais, des fois, on va sur la plage, on est un coin plus tranquille, puis il n'y a pas de musique. Nous, on ne peut pas vivre sans musique. Fait que là, on apporte le speaker. Ensuite, le jeu de beer pong, of course. Ça, c'est un jeu de questions. Ah, mais on a joué justement dans la dernière vidéo. C'est un jeu de questions où est-ce que tu te poses justement pour te découvrir, mais c'est édition en couple. Fait que ça, c'est genre le truc qu'on va juste plus jouer, j'imagine, comme dans l'avion, si on veut juste, genre, c'est un conversation starter, parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, clairement, on se connaît, mais ça reste qu'il y a des sujets qu'on n'a pas nécessairement touché, puis là, ça nous force à penser à ça. Un jeu de crib, of course, ça, c'est un jeu vraiment le fun à jouer à deux. On adore, mais ça se joue à 3 aussi, ou à 4, fait que si jamais on rencontre du monde, surtout à Cuba, là, c'est tout le temps, genre, des Québécois. Littéralement, genre, 90% des Québécois, tout le monde a l'air de mon père. À chaque fois qu'on allait en voyage avec mon père, j'étais comme, papa, et papa, oh non, c'est pas papa. À chaque fois, je voyais quelqu'un avec un chandail bleu, là, du chandail bleu du Costco plus précisément, mais genre, mon père, il part 7 jours, il va partir avec 7 chandails bleus. Mais bref, pourquoi je parle de mes parents? En tout cas, un autre jeu qu'on apporte, c'est Pick Your Poison. C'est un petit peu genre un Would You Rather, mais c'est comme tu piges 2 cartes et tu choisis entre les deux. Fait que c'est ce qui est le fun comparé à, comme j'ai tellement joué souvent à Would You Rather, mais comme on va chercher les trucs sur le téléphone, puis c'est tout le temps les mêmes associations ensemble. Dans ce cas-là, tu piges une carte différente. Fait que ça fait que c'est toujours des nouveaux dilemmes. Genre, c'est vraiment intéressant. Puis normalement, ça se joue à 3 ou plus, mais nous, on joue à 2 aussi. Puis c'est un très bon drinking game, justement, le moins vraiment quand on se fait des amis. Oui, je parlais à mes parents parce que je disais qu'il y a plein de Québécois. En tout cas, on va se faire des amis avec ce jeu-là. Oh my god, ce jeu, c'est tellement le fun. Spot It. Est-ce que vous avez déjà ou déjà joué à Spot It? Guys, ok, j'ai pas le temps de vous montrer c'est quoi là maintenant que j'y pense. Là. Mais bref, allez chercher ce jeu. Il y a plusieurs versions aussi, fait que ça peut toujours être différent. Le jeu de Joff, ça c'est un jeu qui vient de Bellechasse. C'est tellement fucking le fun. C'est un jeu qui se joue juste à 4, mais justement, on va se faire des amis, on va leur apprendre le jeu. Je suis pas inquiète. Et finalement, le dernier jeu qu'on va apporter, ça s'appelle The Game. Puis ça aussi, c'est un jeu fucking nice, c'est comme un jeu coopératif, puis honnêtement, là, je vous le conseille fortement. Donc ça, je vais pouvoir heureusement mettre ça dans la valise à mon chum parce que j'ai plus de place. Il me niaise. Il m'a dit qu'il lui restait de la place dans sa valise, mais oh, ça veut dire que j'ai tellement plus de place que je le pensais. Voici les... Mais non, c'est impossible qu'il parte juste avec ça. En tout cas, bref, ça c'est pas mon problème, c'est pas ma valise, mais waouh, je sens que je vais pouvoir mettre d'autres petits linges là-dedans. Donc, de retour en bas, là, j'ai coché la catégorie nourriture, c'est fait, la catégorie jeu, c'est fait. Il nous reste, dans le fond, oui, il nous reste 4 catégories. Il reste les bijoux et accessoires, que là, mon chum est dans la salle de bain, puis j'en ai dans la salle de bain, fait que je vais attendre de faire ça. Les sous-vêtements, que ça, normalement, c'est le premier truc. Oh my god, j'ai oublié une catégorie. Les maillots de bain, esti. T'imagines? Je pars sans maillot de bain. Mais ouais, fait que normalement, je commence toujours par les sous-vêtements, parce que c'est le genre de truc, sinon, que j'oublie. Puis après ça, on va tomber dans les vêtements. Puis la dernière catégorie, c'est les trucs de travail, mais ça, ça vient avec moi dans mon sac personnel. Fait que je sais pas si c'est pertinent pour vous, là. Fait qu'en fait, je pense que je vais mettre rapidement, clairement, je vous montrerai pas mes petites bobettes ici. Je vais mettre mes sous-vêtements dans ma valise. Puis je vais mettre les maillots aussi parce qu'il y a une vidéo dans le futur très bientôt que je vais filmer là-bas. En fait, là, que ça va être genre my bathing suit tour. Fait que je vais pouvoir vous les montrer là-bas. Fait que je vais garder un petit secret pour le moment. Fait que la prochaine et dernière catégorie que vous allez voir va être les vêtements. Oh my god, j'étais mort. En fait, backtrack ce que je viens de dire. Ok, je sais que j'avais dit que j'allais pas vous montrer mes petites bobettes, mais en fait, je vais vous montrer, ok, les sous-vêtements. J'espère qu'on est juste en fille en ce moment, ok. Voici les sous-vêtements que j'apporte. Boring as fuck, ok. C'est toutes des strings beige, mais c'est parce que c'est littéralement ça le plus pratique qui va fitter en dessous de tout. Fait que genre, j'ai plein de sous-vêtements de couleur ou avec de la dentelle ou des trucs cool, puis je suis comme, je veux pas les porter. Je finis toujours par porter juste mes beige. Fait que là, en voyage, je vais pas essayer d'être cute, esti. Si je veux être cute pour mon chum, je me mettrai tout nu, mais là, je pense que c'est ça le plus pratique. Puis j'en ai genre littéralement 12. Je sais que j'aurais pas besoin de 12, mais tout d'un coup, je sais pas, moi, tout d'un coup, que si ça se mouille puis j'en ai besoin d'autres, je préfère en amener plus que pas assez. De toute façon, c'est tout petit à apporter, mais bref, c'est ça. Bon, puis tant qu'à vous montrer mes bobettes aussi. Pour mes brassières, j'apporte celle-ci. Ben, de toute façon, je suis tout le temps en brassière sur mon channel, pareil. J'ai la bienne, celle-ci, ma brassière que j'adore tant. En noir, en blanc que j'ai envie de porter, puis en beige qui est dans le lavage. That's it. Bon, la salle de bain s'est libérée, donc je suis allée chercher mes bijoux. J'apporte juste 1, 2, 3 colliers, incluant celui que je porte. Je porte tout le temps. Oh mon dieu, mon miroir est tellement sale, là. On porte tout le temps les mêmes, fait que bref, c'est ça. Je me casserai pas la tête.
Et là, je suis rendue au maillot de bain. Comme je vous ai dit, je vais pas tout vous montrer, mais j'ai comme une sélection à faire. Là. À date, j'en ai comme 10 dans ma valise. Fait que je pense qu'il faudrait que j'arrête bientôt. Hein. Bon, là, je suis à moitié tenue en train d'essayer des maillots. Puis là, mon chum a vu ce que j'apportais de face wash. Puis il trouve que c'est pas assez. Fait que là, il m'a convaincue d'en apporter une autre bouteille. By the way, j'ai mis ma robe jaune que je portais tantôt dans le lavage parce que je veux la porter avec moi. Fait que je vais avoir un costume change en plein milieu de ma vidéo. Ok, donc, update sur la situation. Comme vous voyez, il me reste plus ma bain de place pour mes vêtements. Mais mon chum m'a dit qu'il a fini de pacter. J'ai déjà mis les jeux là-bas, mais je vais essayer de transférer la nourriture à sa valise pour qu'on puisse avoir le reste pour des vêtements. Donc, voici sa valise, même avec toute la bouffe. Ça ferme vraiment bien. Là, je suis en train de contribuer à faire descendre le deuxième sac de chips. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a acheté une balance pour peser les valises. Fait que je vais peser la sienne pour être sûr que la sienne n'est pas trop lourde. Il m'a dit qu'il restait genre quelques petits vêtements à mettre, genre ceux qui sont dans le lavage. Fait qu'une fois que la sienne est correcte, là, je vais savoir que j'ai toute la place dans la mienne. Ok, live. Ok, mon chum à la rescousse. Voyons voir. Ah oui, on va guesser. Je pense qu'on est à combien? 15. 15 kilos? Ouais. Puis en plus, il reste de la place. Moi, je vais dire qu'elle pèse... C'est vrai, elle est pas lourde, hein? 15.5. 15.5? Ouais. Que tu veux le faire? Oui. Un, deux, trois, go. Ouais, oh! On est tous les deux way off. Et oh! 18, là. Ah, oh, mais je suis quand même plus proche. Ouais, c'est vrai. Oh, ouais, 18. Ouais. Mais quand même, on a droit à 23 kilos. Fait qu'on a encore 5 kilos. Okay. Voici l'espace qui me reste. Avant de mettre en linge, n'oublie pas que t'as plein d'autres produits que tu peux amener. Mais non, c'est tout là. C'est ça? Oui. Oh, ok, c'est juste ces deux-là. Mm-hmm. Okay, okay. Oui, ça c'est mes maillots, oh, mes ben sous-vêtements, oui. Mes bijoux. Si jamais c'est trop long, c'est ça que j'enlève en premier. De la raison plus de bijoux dans ce cas-là. J'ai pas plus de bijoux que je porte. Ok, je viens de réorganiser ma valise. J'ai mis mes maillots là-dedans. J'ai tout mis. Guys, ça n'a pas de bon sens là. J'ai tellement de place. Babe, tu veux ça embarquer dans ma valise? On aurait pu sauver 700$ de billets d'avion. Si je me cachais dans ma valise. Remarque que t'imagines l'extra poids, est-ce que... Moi, tu peux faire là-dedans, là. Est-ce que je devrais essayer? Mais non, ok. T'as pas faut que je pense à mon affaire. Mais tu sais, c'est une zippée. Vas-y. Oh non, mais je peux. Let's go. Facile. Oh, shit. Hey, c'est mieux de pas rester poigné, là. Oh, tu zippes? Ok. That is crazy. Yo, people, guess elle est où, Anso? On devrait jouer à cache-cache avec Freddy et Victoria. C'est chaud là-dedans, là. Non, mais jamais je pourrais survivre si tu as un voyage de 7 heures là-dedans. T'imagines si tu te fais pitcher comme une valise. Oh, puis c'est... Wow! Ok, j'ai toujours voulu savoir si je rentrais. Ok, mec, là, on peut la remplir avec mon linge. Vas-y, go. C'est la dernière étape à faire. Il reste pas beaucoup. De toute façon, c'est on part... vraiment chaud là-dedans. On sort de la maison dans 9h. 9h30. 9h30, 10h. Ok, là je le dis à la caméra pour pas oublier. La seule chose qui va rester après les vêtements, c'est les accessoires. Donc les sacoches puis les... Comment ça s'appelle ça, ces sunglasses? Des lunettes de soleil. Puis là encore une fois, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de rime ni de raison quand je choisis mon linge. Je fais juste partir du début. Ça c'est une belle robe qu'on peut mettre par-dessus un maillot, mais j'ai l'impression que je la mets souvent puis je la mets jamais. Fait que ça va être un non. Ça c'est un non. Fait que je pense que tous les potentiels, on va les mettre à gauche. Puis après ça, va falloir regarder parce que normalement, ok, j'ai 3 outfits par jour. J'ai un outfit où est-ce que genre c'est le matin, je me lève puis comme on s'en va déjeuner. Après ça, je me mets en maillot. Puis j'ai un outfit comme le soir. Ben dans le fond, 4 outfits, parce que je sais pas si maillot ça compte là. Puis le soir, où est-ce que là on s'en va souper, fait qu'on s'habille bien, on va au buffet ou on va dans un resto. Puis après ça, je me rechange si jamais on va clubber. Ok. Ouh! Cette robe que j'ai pas encore eu la chance de porter. Ok, c'est sûr que je la porterai. Puis honnêtement, tu sais, avoir l'état de ma valise, je vais clairement avoir assez de place pour tout. Qu'est-ce que je vais apporter? Fait que j'ai pas besoin de me battre genre à essayer de choisir. Ça, c'est le genre de petite robe que je vais apporter, mais comme ça me dérange juste vraiment pas de la salir. Fait que si jamais on est en excursion ou quoi, mais que ça me tente. Clairement, j'irai pas en robe en excursion, mais en tout cas, comprenez ce que je veux dire, hein? C'est vrai, faut pas que j'oublie mes souliers non plus. Ça aussi, faut que ça fitte dans ma valise. Ok, fait que je pars avec mes sneakers dans mes pieds. Fait que j'apporte deux... Oh my god, tellement sale en dessous. Deux paires de souliers talons. Ça, honnêtement, je porte ça même sur le bord de la plage. Je suis tout le temps là-dedans. C'est le truc le plus confortable. Je travaille là-dedans aussi, puis c'est genre, je cours partout, ça tient dans mes pieds, c'est stable. J'adore ces souliers. Puis comme à chaque fois, j'apporte une paire de gougounes, puis j'y porte pas. C'est... Je trouve ça tellement pas confortable. Fait que je veux juste apporter les autres. Bon, babe, t'arrives pile à temps pour la découverte de... Ben finalement, j'ai décidé de rajouter une paire de souliers, guys. Ok, donc ça c'est ma pile de robes. Il y en a 9. Ça c'est d'autres robes en fait. Ça c'est des robes pour sortir. C'est pas pareil. Il y en a 3. Ça c'est des kits doubles, deux pièces. Okay. Ça c'est des petits tops. J'en ai comme 4 blancs, 2 bleus, 2 noirs. Okay. Voilà. J'ai 2 paires de shorts, 3 paires de shorts. Il y a une paire de shorts qui est faite pour aller en dessous de cette robe. J'ai 4 jupes puis 2 par dessus. Je pense que c'est pas pire là, c'est pas trop. Il manque tout quelque chose. Le pyjama que je porte. Ouais. Est-ce qu'il manque quelque chose genre de flagrant? On aurait dit que je trouve normalement j'ai plus de linge que ça. Oui.
sous-vêtements? Oui, sous-vêtements, tout le kit, mes maillots, mes souliers, tous mes produits. J'ai jamais voyagé aussi léger. Ok, voyons voir si ça rentre. Ça, c'est la pile la plus importante. Que je la mets en deux secondes. Mais on dirait que j'oublie quelque chose parce que normalement, j'ai pas assez de place. Ou est-ce parce que là, tu vois, toutes mes affaires sont dans ta valise? C'est ça. La moitié de ma valise, c'est de la bouffe. Puis des jeux. L'autre moitié, c'est mes vêtements. Puis t'as mis une valise toute pour tes vêtements. Mais je pense qu'on peut. Il y a encore légère, on peut acheter des trucs. Vraiment de la place. Je veux juste la peser pour voir parce que je suis curieuse. Voyons voir à quel point je peux rajouter des trucs. Elle est plus lourde que la tienne. Moi, je vais dire qu'elle est à 20.8. 20.8? Ouais. Parce que tantôt, je trouvais qu'elle était moins lourde qu'elle était. 19? 19 pour Nad, 20.8 pour moi. C'est toi l'honneur? Oh shit, qu'est pas ça? Moi, j'y crois pas que la mienne est plus lourde. Fait que là, j'ai en masse de place dans mon jacuzzi. On va quand même jouer à 22 juste parce que. Je peux mettre tellement plus de linge. Ok guys, je pense que c'est la fin de la vidéo. Je suis épuisée. Je pense que je vais faire une sieste en fait avant de partir. Il me reste quelques petits trucs à mettre dans ma valise. Mais comme clairement j'ai du poids, puis je sais que rien de filmé. Fait que j'espère que vous avez apprécié. C'était moi un bon voyage. Et sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Où est-ce que je vais être à Cuba. Bye.